Éternel, notre Dieu, notre Père. Merci Seigneur parce que une fois de plus, tu nous rassembles dans ce lieu. Tu nous rassembles autour de ta table sainte pour qu'ensemble, Seigneur, nous puissions être purs et saints. Mais toi-même, tu sais qui nous sommes réellement. Nous sommes ceux-là qui transgressons tes lois, qui violons tes commandements. Père, aie pitié de nous. Seigneur, permets-nous aujourd'hui d'être purs pour enfin communier ensemble avec toi. Seigneur, permets aussi que cette adoration se distingue des adorations païennes et des associations qui sont humaines. Fais taire en nous tout esprit qui ne t'honore pas. Dispose-nous à l'écoute de ta sainte parole. Nous te l'avons demandé et nous te prions comme notre Seigneur Jésus le Christ nous a appris à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous qui sommes les co-héritiers de notre Père, écoutons donc maintenant les crimes qui nous éloignent de la sainteté de ce royaume. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël, car l'Éternel a un procès contre les habitants du pays, parce qu'ils n'ont point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui habitent seront languissants, et avec les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que face à ces paroles de notre Seigneur Jésus le Christ, nous sommes ceux-là qui commettons des meurtres, qui demeurons dans la violence et dans le mensonge. Je vous invite donc à vous joindre à moi en toute humilité pour confesser nos péchés avec le cantique Boulou 59, Bassa 305, sur les ailes de la foi 273. Thank you.
Écoutons maintenant les paroles de grâce qui nous viennent des Saintes Écritures. Je suis le seul vrai Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Que le méchant abandonne donc, bien-aimé dans le Seigneur, sa voix, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Levons-nous, bien-aimés, dans le Seigneur, pour qu'ensemble nous rendons grâce à notre Dieu avec le cantique 1282, Bassa 207, sur les ailes de la croix 411 et ATG 369. Trois couplets. Yeah.
chrétienne en français en disant « Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la gloire de Dieu, le Père tout puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir.